J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi. André est parti en ski. Fait que c'est ça. J'en profite. Je vais travailler. Puis, c'est ça. Que là, on est déjà rendu l'après-midi. J'ai pas encore travaillé, mais c'est ça. André vient de partir. Ça fait peut-être comme une heure. J'ai pris ma douche. Je me lave la tête. C'est encore comme un petit peu humide. Je les ai démêlés. Mais je m'ai pas. Les cheveux, je ne vais pas maquiller, rien. Mais je vais quand même vous faire montrer mon petit outfit. J'ai hâte au printemps, genre, je suis plus capable. Je suis quand même un petit peu découragée parce que j'ai déjà tête dans mon linge. Je suis comme. Mais ouais, c'est ça, j'ai mis des petites jeans que je ne mets jamais. Ils sont froissés, ici, là. Fait que, fitons. Mais c'est ça. Ouais. Puis ils sont tous froissés en bas. Pourquoi? Parce que je ne porte jamais de jeans et ça fait comme genre tout l'hiver qu'ils sont parkés là parce que je les ai vraiment troqués, comme que je dirais, pour des leggings. Et que c'est ça, ça vient du Urban. Ils sont supposés être cute là. Mais c'est ça, ils sont froissés. Puis moi, j'y roule tout le temps. Surtout quand on est rendu. C'est un site là, je suis comme. D'accord, moi, je vais être en. Petit native, puis c'est ça, c'est ça avait d'arriver. Je suis déjà plus capable d'endurer les bas. Hey, c'est bad, là, genre, encore. Allô? Je vais aller défroisser ça. Ensuite, j'ai mis un petit t-shirt du H&M que j'ai pogné au Heart. Puis ce petit par-dessus qui est quand même un genre de petit manteau, plus, je dirais. Ça vient du. Britman. Gregorio, il va être tout seul. Elle va être tout seul dans ma café. Oui, tu fais, coupé. Oui, tu fais. Oui. En fais-tu montrer comment tu es grand garçon? Tu es grand garçon, gars. Il fait le beau. Ok, Charlot. Charlot. Assis. Assis, Charlot. Non. Non, ça, c'est coco. Assis. J'ai bu un café et ça fait qu'est-ce que ça me fait. Puis là, j'ai éternué, là, puis on dirait que je suis Hello. Assis. Assis. Oui. Bravo. Coucher. 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 Bravo. Oui, coucher. Coucher, Charlot. Coucher. Coucher. Là, oui. Ah, c'était un roule! 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 Hé, hey, tu le faisais tantôt. Il roule! Roule! Oui, roule! Roule! Roule, roule, comme on voit! Roule! Roule! Roule, Charlot! Coucher, roule! Oui! Bravo! Charlot, assis. Poup, assis. Bravo, oui! Fais le beau. Fais le beau. Non, fais le beau. Non, fais le beau. Fais le beau. Fais le beau. Fais le beau. Oh, il a fait le beau! Boum! C'est correct. Mon cadeau! Oh, j'essaie d'y apprendre des petits trucs, là, mais. C'est encore débutant. Mais c'est ça, tu peux pas l'obliger à être un artiste des trucs, là. C'est juste parce qu'en faisant ça, ben, ça apprend des petites choses, là, genre comme à écouter une directive, mettons. Fait que, dans le sens de comme, l'apprendre le nom, l'apprendre les endroits où est-ce qu'il n'y a pas le droit d'aller. Oui. Apprendre le terrain. C'est trop italien. Moi, j'ai fou que la mort. J'ai fou, fou, fou. Fou, 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 oui, oui, oui. On m'a ou pas? Non. Non. Fait que cette nuit, j'ai dormi avec ma wedge pillow pour la première nuit. Je vous dirais que c'était pas vraiment confortable. On dirait que c'était comme pas la bonne hauteur. T'es tannant, oui. Puis ça, je m'en assis à terre. Puis ça, je m'en assis à terre parce que t'es un gros tannant. Oui. C'est ça. Fait que je glissais, je dirais. Puis, c'est ça, on dirait que c'était pas la bonne hauteur, fait que ça me soutait pas vraiment. Mais c'est ça, j'ai beaucoup mal dans les côtes, là. Fait que. Wouh! Bye! Fait que c'est ça, je
Première journée, c'était pas un succès. Mais c'est ça, faut aussi que je m'habitue, puis que je la sette, la manière que moi, je l'ai besoin à la bonne hauteur. Puis là, on dirait que j'étais fatiguée, puis je voulais y dormir. Puis c'est ça, mais je glissais beaucoup. C'est ça que je trouvais. Puis c'est ça, j'étais comme, je mettais un oreiller, je mets pas d'oreiller. En tout cas, fait que je vais continuer à l'essayer, puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est ça, c'est comme review de première journée, mais quand est-ce que je l'aurai vraiment testé, je pourrais comme faire plus comme un review. Fait que achetez pas de wedge pillow avant que j'ai comme, tu sais, vu comme si ça fonctionne, tu sais. Mais c'est vraiment cool, pour vrai, comme même si ça serait juste pour comme watcher la TV ou comme relaxer le soir, là, c'est quand même très, très le fun, très pratique. André t'es comme, j'en veux une! Oui, qui est beau, toi, du tout! C'est ça, je vais vous faire montrer, j'ai eu un colis Amazon, puis j'ai acheté quelque chose, je vais tasser ça, regardez en passant, ouais. Et ma mère m'a pogné ça. Chez Giant Tiger, j'ai pas encore enlevé l'étiquette, puis j'ai pas encore décidé où est-ce que j'allais le mettre, là. Je l'ai juste mis ici pour l'instant à côté de mon îlot là, de café, mais regardez le gros panier comme tout mou là. Tu sais, tu peux soit mettre une plante dedans, ou tu peux, je sais pas, mettre des coussins, mettre une jetée, le mettre comme décor, whatever. Il était en spécial à 10$. Fait que si jamais vous allez sur Giant Tiger, let's go, là, c'est gros, là. En tout cas, fait que je trouvais que c'était bien cool. Okay, tant qu'à l'avoir à tête de ma faire, je vais vous faire montrer. je vous montre ça, mais non. Bon, fait que là, je m'ai comme installé une drôle d'angle, mais si je vous faire montrer, j'ai acheté une espèce de ceinture de sécurité. Pour Charlot, j'ai pris ça sur Amazon, c'était 29$ si je ne me trompe pas. Puis c'est ça, il y avait deux petits poteaux qui venaient pour le tien droit. J'ai rentré ça là-dedans, donc tu sais, ça donne ça. Puis ça s'accroche sur le banc derrière. Puis je trouvais que c'était bien cool. La raison pour laquelle je vous le montre par terre, c'est parce que je vais vous faire montrer mon petit pitou dedans. C'est vraiment cute, là, tu sais. Puis il y a une attache pour l'attacher. Tu l'attaches sur son armure, tu sais, sur son collier. Fait que c'est ça, il pourra rester dedans, puis il se sentit plus comme en sécurité. Il est cute, oui. J'ai eu un car seat. Boum. Fait que c'est ça. Je monte avec une hauteur de caméra plus normale, donc je ne l'ai pas encore essayé, je ne l'ai pas encore installé. Je viens juste de le monter, fait que ici, il y a une petite poche. En tout cas, c'est la marque Swihelp. En tout cas, je ne sais pas trop comment tu dis ça. Ici, il y a une attache en avant. Je ne sais pas que ça sert vraiment. Hein. Je ne sais pas si c'est que dans le sens que tu pourrais le prendre et le porter comme un sac, mais en tout cas, je trouvais que c'était bien, bien cute. Puis, c'est comme ça, sur les côtés c'est des gris, puis en dessous c'est plein. Puis, il y a comme une, c'est comme un genre de carton, pour que ça soit un petit peu plus comme, probablement comme un plastique, là, pour que ça soit plus comme robuste, je dirais. Là. Ici, ça, c'est vraiment cute! Puis je trouvais que c'était beau les petits détails. Moi je l'ai pris comme ça, mais il y en avait des pleins, il y avait des gris, il y avait toutes sortes. C'est bien un quartier, pour aller prendre des drives! Je ne sais pas combien de temps il va te fit dedans, mais c'est ça. En tout cas, si jamais il ne fit plus, Will, je le vendrai. Mais j'ai l'impression que Charlot va être un chien pas très gros, mais grand. Fait que c'est ça. C'est comme ce qu'il pourrait quand même fitter dedans, mais il va être plus long d'hauteur, mais il ne va pas nécessairement être comme. En tout cas, je ne sais vraiment pas là, qu'est-ce qu'il va avoir là. Mais pour l'instant, c'est vraiment. Puis encore vraiment de la place, ça fait qu'il y a encore bon dedans pour un bon bout. J'ai hâte de l'essayer. Je vais aller le placer dans mon short tantôt. Je pense même que je vais l'amener pour une petite drive. Mais là, j'ai déjà bu mon café, il faudrait que j'y retravaille. Mais je pense que peut-être que je vais le placer et je vais aller au quai. Mais c'est ça, je vous ferai montrer rapido si jamais j'y vais. Mais c'est ça, je vous jaserai pas trop parce que ça là, vous aimez pas ça dans le short. Tant que André va faire du kiddo parce qu'il fait. Deux dehors. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que je ne tarde pas un bout, mais en même temps, tu sais, est-ce qu'il fait chaud comme ça? Je suis comme ça, alors chaud. Mais je sais pas trop.
Et hier soir, je suis allée à l'intérieur, dernière seconde, puis j'ai acheté deux gros maudits paquets de papier de toilette. J'ai regardé aussi pour acheter des petits piments pour faire mes semi-piments, parce que les piments, faut au moins les faire 10 semaines en avance, mais il n'y en avait pas à l'intérieur, donc j'étais comme ah, mais... Mais c'est ça, tu sais, moi d'habitude, j'achète pas mal toutes mes choses à la serre, mais la serre ouvre juste le 20 mars, puis il faudrait presque que mes piments soient déjà starté, mais c'est pas trop grave, là. Je vais peut-être juste attendre, puis j'irai genre directement le 20 mars. Je ferai pas des grosses batchs de semis cette année, là, parce que, c'est ça, je trouve que genre, ça vaut pas la peine de trop en faire, parce que quand ça arrive le temps qu'il y en a plein de plans, mais là, on dirait que j'ai envie d'acheter. Tu veux aller dehors? Oui! Fait que je vais mettre mes petites bottes. Excusez, j'aurais pas de renifler. Je vais mettre mes petites bottes. Puis mon manteau. Puis je vais aller dehors installer son caisse. Même que Audrey Way, ce genre, il va dire tu te chavis et je care pas. Mon Chris. Fait que j'ai mis son petit harnais. Puis c'est ça, j'ai attaché ça là. Là, vous savez, mon Jeep est extrêmement en mess. Fait que là, oui, c'est comme sa petite tache grise, puis j'ai vu comme un chien adulte, là, qui était comme lui, puis ça, je suis comme, tu vois, tu un gros rond gris, oui, c'est pas grave, il est beau, hein, en tout cas, il a l'air gris, mais il est noir, mais là, c'est gris, en tout cas, fait que c'est ça, il y avait comme une attache, ici, puis là, c'est ça, je peux la tailler, là. Puis toujours accrocher ça sur un harnais, évidemment. C'est ça, l'autre morceau, ben, ça allait là, là, tu sais. Là, fait que j'ai hâte de voir. Je vais aller prendre une petite drive pour le tester, voir s'il va pleurer. Mais c'est ça. Je vais le setter comme il faut, là. Cute! Maman, ton chat est plein de poubelles. Oui, il va ramasser le mess. Petit segment dans mon char! Bon, fait que là, il y a du monde à côté de moi. Fait que je jaserai pas trop. Mais je voulais juste vous faire montrer quelque chose que j'ai découvert hier. Que j'ai su qu'il existait, que je ne savais pas au Tim Hortons, ok? Dodo, la belle Dodo, m'a dit que il y avait des beignets aux pommes. J'ai dit, pardon. Donc, sur cette chose, j'ai jamais goûté ça, ever. Puis, ça a l'air que c'est aux pommes, puis moi j'adore les choses aux pommes. Je suis comme, what? Oh my god. Ok. Genre, ça coule. Ok. Mon but, c'est pas tout le manger, par exemple. C'était juste de goûter. C'est bon. Ça se peut-tu? Genre, ça a toujours existé. Je savais même pas que ça existait, genre. Fait que, c'est ça. C'est bon. Puis elle m'a dit que c'était bon, un petit peu chaud. So, je peux imaginer que c'est comme mental chaud. Bon, c'est qu'on fait revivre des anciennes donuts, parce que sérieusement, des fois, ils inventent des nouvelles qui sont même pas bonnes. Mais ça, c'est des classiques. Et ça reste. Donc, un vieux classique que je ramène. Vous savez, j'essaie de manger moins de cochonneries. Fait que si je ne l'ai pas tout mangé, j'ai pris 3 bêtes puis je l'ai remis dans le sac. Mais c'est ça. J'avais faim puis André est parti faire du kidou. J'étais seule, ça ne tentait pas de me faire dîner, ni à souper, ni rien. Fait que je me dis, je vais me ramasser un BLT sur un bagel. So, je ramasse souvent dans ça. Je trouve que c'est bon. C'est vraiment pas bon pour la santé. Suivez pas ce que moi je mange. Je mange tellement mal. Oh, oh, oh. J'ai été chez ma mère, là, avec Charlot dans le petit car seat. Je vais essayer d'élever la caméra, là. Il a vraiment bien fait ça. Oui. Allô, Charlot. T'es cute. T'es cute. Fait que c'est ça. Il pleurait, c'est un petit peu, c'était là, mais c'est normal. Là.
s'habitue. Et la mer est encore toute gelée. Les glaces sont ici. Tout fond aujourd'hui, il fait plus de deux. C'est vraiment le fun. Mais c'est ça, tu sais, je ne veux pas mettre Charlot trop par terre, là, vu qu'il n'est pas encore assez vacciné. La semaine prochaine, le 15, il va avoir son troisième vaccin. Fait que, tu sais, tranquillement, ça avance. Mais c'est ça, j'ai hâte qu'il est plus protégé, là, comme pour la lepto et ces choses-là, parce que là, je suis comme, c'est plein de flaques d'eau. Mais dans ma cour, tu sais, je me stresse pas trop, là, mais comme chez ma mère, il y a plus des petits animaux qui passent, comme des moufettes, des choses comme ça, puis il faut vraiment pas que. Malgré que c'est comme pas le temps des moufettes, là. Mais c'est ça, je veux pas qu'il fouille dans les lacs d'eau. Fait que c'est ça, je vais le protéger encore. Je vais manger ça. Puis ça, on se rejoint plus tard. J'ai fini de manger. Je m'ai sali. J'ai sali mon manteau, je comme. Puis j'ai pris quelques autres bêtes qui baignaient aux pommes et il y a des morceaux de pommes dedans. Je suis comme, what? Fait que c'est vraiment bon. Je suis impressionnée. Que... Merci pour la suggestion vintage de beignets Tim Hortons que je ne savais pas qu'il existait. C'est vraiment bon. Là, je m'en vais niveau à la maison. Je vais aller probablement travailler un petit peu. Sortir Charlot de son petit car seat. Puis c'est ça, on sort genre ce petit. Charlot! Hey, il m'a fait une crasse, puis là, c'était je parlais en avant. Whoopi! Youpi! Qu'est-ce que tu manges? Je mange pas la corde. Mange pas la corde, non, on mange pas la corde. Ouais! Pour que ça. Lâche la corde. J'avais complètement oublié que j'étais en train de vlogger, genre, ça m'a juste sorti la tête. J'ai très mal au côte. Oh, comme... Mais c'est ça, ça fait comme une couple de jours. Ben, en fait, depuis que j'ai commencé à dormir avec mes oreillers en angle, on dirait, je sais pas, j'ai mal au côte, mais j'ai plus mal au poumon, tu sais. C'est ça. Là, je suis tannée d'être en jeans ou je vais me mettre des leggings. Voilà, j'y vais. Assez fou chien là. Il rendu qu'il aimerait monter sur le lit. Hey! Vite! Là, ça cause ici mon coussin. Ça débarque de mon coussin! Je l'ai pas usé cette nuit, j'avais trop mal d'une côte. Oui. Bonjour! Bonjour! On est rendu jeudi! Moi de visite! Oui! Oui, il y a un petit garçon qui va venir me voir! Oui! Ça va être le fun! Point! Hey! Point! Un nouveau projet! Finalement, pour ce printemps. André vient de me dire ça. Fait que ce printemps, là, je devrais comme probablement tout peinturer mon deck. Là. Quand est-ce que ça va fondre? Puis c'est ça. Mais ce qu'on veut faire ici, là, on aimerait faire comme une petite sortie avec une rampe puis une genre de clôture. Comme ça, il irait pas sur le perron, mais il y aurait comme l'option de sortir par lui-même, par... Le trou qui est là. Oui, parce qu'il l'use déjà, il l'use pas. Puis, ça a pas pris longtemps. Oups, petit niveau. Non, ok. En tout cas, fait que c'est ça, on aimerait faire une petite... Oh, attends ça. Une petite sortie, puis... fait qu'il pourrait sortir de la porte de screen, il pourrait aller directement là, puis il pourrait faire ses besoins en bas là. Moi, ça fait longtemps que je dis que j'aimerais avoir un escalier là,
puis qu'on aurait notre corde à linge qui irait comme ça au lieu d'avoir notre corde à linge loin là-bas comme ça. Fait que ça, André, lui, son idée, c'est juste faire comme un petit, je sais pas trop là, peut-être là, faire comme une rampe, puis ça se rendrait jusqu'à la grille. Puis je sais pas, on pourrait même ouvrir, puis il y aurait comme une partie du dessous du perron, ce qui veut s'amuser là. Parce qu'il n'y a rien du là non plus, là, tu sais. Mais moi, c'est ça, je me dis, il me semblerait nice comme une vraie porte. Mais c'est ça, dans la porte, il pourrait avoir comme une petite sortie pour lui. Que comme ça, nous autres, on peut garder ça comme privé, genre, là. En tout cas. Fait que finalement, on va avoir un projet printanier! Moi, je vis pour les réunions, fait que quand ce que André trouve une idée lui-même, je suis comme, pardon! Fait que là, c'est ça, on sait pas où est-ce que ça va se rendre, mais il y avait aussi une autre chose qu'on voulait faire. Je vous fais donc, vous voyez comme la piscine, là, c'est comme ça. Mais moi, c'est des gros murs, là, tu sais. Puis c'est vide, là. Fait que tu peux juste marcher tout autour de la piscine ici, là. Ici, je pense qu'on va peut-être être obligé de monter ça, parce que lui, il va être plus grand que moi, puis il est plus grimpeux, genre. Mais c'est ça. Fait qu'en arrière de ça, on va planter des arbres ou une clôture en haie. Oh, je pense que ça va faire un petit caca, là, je n'aimerais pas. Là, mais après ça, ici, moi, j'avais toujours dit que ça serait nice d'avoir comme un, pas un gazebo, là, mais comme une espèce de petite rallonge, ça s'agrandirait. Il y aurait plus de place parce qu'éventuellement, ici, là, on aimerait mettre une hot tub. Fait que, mettons qu'il y aurait une hot tub là, il faut penser à où mettre la porte. Pour là, puis ici, j'aimerais avoir comme un plus grand espace. Puis ça se peut qu'on grandisse la piscine aussi, fait que on veut comme pas se bloquer de peut-être être capable d'agrandir ce mur-là. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, moi, je trouvais que mes murs étaient hauts, puis c'était tout comme dans le gris, là, ce temps-là, là, que j'avais fait ça. Puis ça, ben, vu que c'est nouveau, c'est pas encore peinturé. Mais c'est ça, on avait mis blanc, mais là, je vais enlever ça. Là. Cet été, ça sera plus comme ça. L'autre côté, c'est juste tout gris. Mais ce côté-ci, c'est blanc. Puis, je sais pas. Oh, excusez. C'est ça. Fait que je sais pas trop. Moi, j'aimerais ça le ramener naturel et l'avoir juste en bois. Mais c'est ça, j'aimerais un bois pâle. J'aimerais pas avoir cette espèce de brun-là là, qui est rendu tout le bois bleu-là. Là. En tout cas, c'est un petit peu compliqué, mais on va aller voir qu'est-ce qu'on va décider, qu'est-ce qu'on fait au printemps. Puis en même temps, vous savez qu'on rénove, on bâtit l'achat ce printemps. C'est comme officiel. Là. Fait que ça se peut qu'on n'aura pas le temps de faire ça pantoute, mais j'aimerais beaucoup ça. Fait que si jamais André n'a pas le temps de le faire parce que lui, il serait comme trop busy, mais je sais pas, je vais peut-être comme demander au, je sais pas, au chum à ma maman ou en tout cas. À mon beau-père. Parce que ça serait vraiment. C'est vraiment quelque chose, ça fait longtemps qu'on dit qu'on veut, puis c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement pratique. On voulait tout le temps faire avec Mo, puis on l'a jamais fait. Ça fait que là, je me dis, c'est une bonne idée. On y avait déjà pensé, puis on se disait que ça serait pratique, so why not? Bon, pour la réno de la salle à dîner, ben. C'est ça. Vous voyez, c'est encore gris. Il n'y a rien qui est comme changé, ce bord-là. Fait que. Ça, c'est par étapes. Là, j'ai vraiment mal d'une côte depuis lundi. J'avais comme un petit peu mal. Je pense qu'aller faire du ski de fond, ça m'a comme pas aidé. Avec, ouais, en tout cas. Éventuellement, je vais faire ça. Petit projet saladin et cuisine. Et là, il y a toujours un projet extérieur tous les étés. Il y a toujours des arbres qui vont être plantés. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis là, ça fait deux jours que tout dégoutte. Vous voyez, d'habitude, le mois de mars, c'est frais à geler, puis c'est dégueulasse, mais là, il fait vraiment beau. Ça fond hier, j'ai passé l'après-midi dehors. Fait que, en tout cas, c'est ça. Oh. Il a compris la porte solide, là. J'ai même pas hier, mais c'est ça, j'ai pas mis des shirts. Mais ouais. Oups, j'ai fermé la porte, là. Ouh, bravo! OK, on va plus dehors. Il passe à travers la porte comme 40 fois. Hein, depuis tantôt. Ah, ah, ah. Puis, il est excité, il est content, puis aller dehors. C'était pour fermer le vlog tantôt, mais. Ben, plutôt, j'avais fermé le vlog. Mais je vais vous faire montrer, j'ai eu une commande Amazon. Donc, j'ai acheté des pipi pads, mais lavables. Puis, c'est ça, ça venait en paquet 2, 4, 6, etc. Là, moi, j'en ai juste acheté deux.
Puis, parce que je sais pas si tu vas nécessairement les utiliser comme pour pisser, mais je trouvais que c'était nice parce que tu pouvais en acheter qui était exactement la size de sa cage. Puis, comme, il y a comme un petit antidérapeur en dessous, là. Puis, quand ce que. Il est fou, les zoomies. C'est ça, je me disais, ça serait pratique. Puis, comme le soir, là, comme il finit toujours par être en dessous, là, ce qui est le plastique, tu entends cric cric. Fait que là, on l'entendra moins. Puis aussi. Ça. Des fois, il fait des petits pipis, là. Surtout quand on le laisse dedans, comme mettons le jour, quand on va quelque part. Là. C'est ça, j'en ai deux. Donc, une de rechange, puis elle est parfaitement la bonne size. Ensuite, j'ai acheté chose de papier toilette parce que lui qu'on a, c'est comme une tour là, que tu mets du papier toilette dedans. Là, je peux pas en mettre parce que sinon, il va jouer dedans. Puis, tu sais, comme quand tu enlève le papier toilette, ça va être dong, 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 dong. En tout cas, ça me tapait ses nages. J'étais comme, pourquoi ça n'a pas rien qu'un vrai? Fait que là, je n'ai acheté un vrai, puis il y a une place pour mettre ton cellulaire dessus. Je trouvais ça. That's nice. Ensuite, j'ai acheté des brackets comme ça, qui vont dans la salle à dîner. J'en ai pris des. Je pense que ça c'est 8 pouces, puis ça c'est 10 pouces. Parce que je ne savais pas trop. Fait que finalement, je vais prendre les 8 pouces et on va retourner les 10 pouces. Puis là, Sandré est en train de faire ça. Puis il va aussi me mettre des tablettes dans ma shop. Fait que là, il est parti couper les tablettes puis organiser ça. C'est ça qu'il fait ce soir. Ouais. Fait que c'est ça, c'était ça mes achats qui étaient dans ma petite commande Amazon aujourd'hui. J'étais bien excitée. Puis, il me semble qu'il y avait d'autres choses, mais non. Non, c'est ça. Ouais. Non. Et ça, fait que, c'est ça. C'est juste ça que je voulais vous faire montrer. Sur ce, ben, je vais fermer le vlog. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air. Je sais que c'était pas un vlog hyper palpitant, mais bon, c'est ça fait partie de la vie. Puis, c'est ça. N'oubliez pas de m'écrire des petits commentaires en dessous. Ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous autres, puis de vous abonner aussi. Et on est rendu comme à 400, je sais pas, 410 peut-être alentour là. C'est ça. Merci d'être là. Puis merci à ceux qui commentent. Puis merci à ceux qui sont là mais qui commentent pas non plus. Et ça, on n'est pas obligé de commenter tout le temps. Tu sais, moi, je vous le dis juste pour vous le rappeler, mais comme j'essaie de pas tout le temps le dire là, parce que je veux pas comme. Je ne veux pas comme vous tanner avec ça, là, puis c'est ça. Mais c'est ça, quand est-ce que vous avez mis des vidéos ou des choses comme ça, mais si vous mettez des petites choses comme ça, ben, ça nous permet de savoir si vous aimez ça ou si vous aimez une chose en particulier dans le vlog ou, tu sais, de savoir qu'est-ce que vous intéresse, voir ce qu'on a des intérêts communs, bla bla. En tout cas, fait que c'est ça, on se rejoint la prochaine fois. Bye, on se revoit plus tard.